Oui, à la fermeture vendredi. Non, vous n'aurez aucun délai. Vous connaissez les conditions et les conséquences. Non, ce n'est pas une menace voilée. Elle est directe. Si vous ne respectez pas l'accord, vous porterez la responsabilité de l'effondrement de l'économie. Vous serez évincé du pouvoir, humilié et haï. C'est assez direct? Bien. Vendredi, donc. Bonne nuit, Monsieur le Président. Alors, combien, mon tendre et cruel? Plus d'un billion. Oh. Je posséderai bientôt tout ce qui a la moindre valeur. Je vais dominer le monde par la dette. Je détiens un pouvoir absolu. Ça y est, le monde est enfin à tes pieds, comme je le suis. À genoux devant toi, il n'attend plus que ton bon plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un problème. Un problème? Lequel? Le fils du traître Sparda, Dante. Lui? Il est toujours là. Les limiers le retrouveront. Ils ont bien eu Sparda et sa catin. Tu le tueras. Oui. Je lui arracherai le cœur de la poitrine avec mes propres mains. Et je l'avalerai devant ses yeux. Depuis des millénaires, les démons étendent leur pouvoir. Ils sont sur le point de contrôler toute l'humanité. Citoyens, nous nous sommes tous laissés bercer d'illusions pendant trop longtemps. Il faut se réveiller. Le fanatique masqué que vous venez de voir prétend représenter l'Ordre, une organisation ayant revendiqué plusieurs attentats graves au cours des dernières semaines. De toute évidence, c'est un traître et un terroriste. Étant opposé à la peine de mort, je ne vois qu'une façon de régler ce problème. Abattre discrètement ce fils de pute. Ici Bob Barbas, au service du Seigneur. Dante !
Vite, sors de là! T'es en danger! Qu'est-ce que tu veux? On se connaît? T'as été négligent. T'as laissé une trace. Et il en a après toi. Quoi? Qui en a après moi? Il s'agit d'un limier. Il est là. Il t'attire dans les limbes. Sa tête démon. C'est trop tard. Tu vas être obligé de l'affronter. Bonnie, Ivory, vous m'avez manqué. De quoi m'entraîner ? Timing parfait. Oh!
et toi dans les limbes. Comment ça se fait que je te vois? Je suis une médium, une voyante. Ce qui fait que je peux communiquer avec toi. Même si tu me vois, je suis pas vraiment dans les limbes avec toi. Et si j'appuie sur la détente? Je meurs. Là, je risque ma vie pour toi. Tout ce que je veux, c'est t'aider. J'ai pas besoin de ton aide. Le limier t'a amené dans les limbes. Je peux t'en faire sortir. Je sais comment sortir, c'est pas ma première fois. Il suffit de combattre cette saloperie de démon. Mais c'est pas la fin des limiers. Il n'a rien à faire des démons. Suis-moi, vite. Elle est où ?